T'aime. Moi aussi. J'aime beaucoup la pizza. Annie, j'aime la pizza. Moi aussi. Je t'aime beaucoup. J'aime pas le bingo. C'est une question de goût. Maman, Alfred, êtes-vous prêt? Je crois que ton sinistre repas nous attend. Oui, mais il ne le sait pas. Nous allons lui sauter dessus? Le prendre par surprise? J'aime pas le bingo. Quel est ton plan? J'ai identifié le suspect qui semble prêt pour cette occasion. Il porte des pâtes sous une couverture de sauce rougeâtre ornée de viande sauvage. De plus, il est couché dans plusieurs assiettes de plastique blanc. Mais il a une armée faisant trembler tous les steaks du pays. Une cuillère? Pire, une fourchette ayant une serviette en guise de bouclier et comme épée, un couteau. Et tous, à l'exception de la serviette, sont faits de métal royal. Mais ils ont deux autres alliés. La tasse? Oui. Mais son résident est le plus dangereux. Il s'agit du machiavélique T. Je vais le chercher. Nos invités ne vont plus tarder. Ils arrivent par la cuisine, je crois. Non, 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 c'est trop dangereux. Son essence est à base d'amour. Un amour qui peut être cruel et barbare. Où est Mika? Je l'ai laissé dans le thé. Le tien? J'aime pas le bingo. Je vais la chercher. Non, non, non. C'est trop dangereux. C'est l'essence d'Annie et son amour n'est pas pour toi. Où est le thé? J'ai goûté. C'était délicieux. Qu'as-tu fait? J'ai bu une partie de l'essence d'amour de ma bien-aimée. Mais l'ennemi est trop faible. Je dois remplacer le T. Avec quoi? Avec mon essence. Ma semence. Mon fils! Sois prudent! Oh, il reviendra un jour, hein? N'oublie pas de te brosser les dents! Nos fils finissent toujours par partir! J'aime pas le bingo, mais... Attention au souper! Il peut être aussi cruel que l'été. Il fait grossir. J'aime. Mais joue souvent. Hein? J'aime. Surtout à la pleine lune, les matins de novembre. Hein? J'aime. Ça doit être la ménopause. Annie, il restait un peu d'amour dans le thé. J'ai dû le consommer afin d'y vider le mien. J'ai soif. Non, non! J'ai soif. Maman, t'es sa fille. Tu peux lui préparer du thé sans danger. Enfin, je crois. Mais bois pas le nez. Bois pas le nez. Non, mais moi qui boive quelque chose d'autre. Et le souper? Nous devons organiser notre surprise. Est-ce que j'ai l'air vieux? Bon, maman, amène grand-papa et Annie près du souper. Nous devons l'attaquer tout en évitant le thé. Mon cœur est plus qu'il était. Hein? Préparez-vous! Enfance! C'est pour ça que je mettais la barbe. Bonne chance! Mika, j'ai besoin de te parler. Alors, exprime-toi. Depuis ma tendre enfance, j'ai jamais connu l'amour autre que l'amour de ma famille ou de mes amis. Je suis même un vierge buccal. T'as jamais embrassé, ni même bu toute une tasse de thé.
peux te montrer. Jamais, jamais. J'ai l'air gai de l'extérieur. Heureux. Mais dans mon intérieur, rien n'est plus faux que la vérité. Quand j'aime, elle n'aime pas. Et quand je n'aime pas, elle aime. Curieux et malheureux hasard. Tragique destin. Personne ne veut monter. Parfois, il m'arrive de perdre espoir. Mais je garde le moral avec cette chanson. Je me suis levé un matin. La couette un peu comme celle de Tintin. Des cernes autour des yeux. Tout ça en même temps que je priais Dieu. Et la phrase qui te tournait autour. Mon Dieu, comme je voudrais être en amour. Mais c'est pas évident. De trouver la perle rare. Et tous les soirs, ce serait moi son roi. Ce serait toi son roi. Le roi de son amour. Et partir ce poids lourd. La solitude hebdomadaire. Comme une seule bosse sur le dromadaire. Je suis sur le bord de craquer. Car il seul, seul au bord du quai. Et je ne plonge pas. Personne dans ses bras. Pour aimer le bébé. Du fruit du bonheur. Et ce, à toute heure. La phrase qui te tourne autour. Est-ce qu'il serait temps que je tombe en amour? La loi n'existe pas. Quand on est tout seul comme moi, y'a pas une femme en ville qui voudrait de moi. Il en perd la foi. L'amour existe-t-il vraiment? L'amour existe-t-il vraiment? Pendant ta chanson, j'ai senti que l'amour d'Annie pour moi était parti. Puis qu'il avait été remplacé par un amour encore plus fort qu'Hercule. Mais voyons, Mika, Annie ne peut pas te faire ça. À moins qu'elle n'ait pas bu ton thé. Dans ce cas-là, son amour, il pourrait manquer de profondeur. Aide-moi, Françoise. OK, je vais essayer, mais je te promets rien. Après elle, y a-t-il un amour? Avec elle? Y a-t-il un amour? Je ne le sais pas toujours. Quand aussi viendra le jour. Où Cupidon me répondra et que ma solitude se perdra. Tout ça dans un nuage rose. La solitude une pause. Qui est l'amour de mon Annie? Lequel sera l'heureux choisi? L'heureux choisi. Lequel sera l'heureux choisi? L'heureux choisi d'Annie. Et ce sera son amour. Son amour. Son amour. Son amour. Son amour. Allô? Mika est plus là? Je voulais te parler. Moi aussi. Maman, apporte-nous des tasses de thé. J'ai plus soif. Vous êtes assez grand pour aller les chercher vous-même. Papa, asseyez-vous. J'en crois pas mes yeux. Moi non plus. Avec l'âge, je vois de moins en moins. Je demande une tasse de thé, puis madame est trop occupée pour aller la chercher. Tu me déçois, maman. Je suis quand même pas Mère Teresa. Je l'ai connue en 1543 pendant le baptême de feu de Jules César. Ton papa, parce qu'on est en 2020.
Et que le temps passe vite! François, j'ai pris une décision. Je vais te préparer ton thé. Non, Annie. J'ai déjà pris une gorgée de ton amour et je veux que maman me le prépare. Bon, je crois que tu as peur de t'engager à fond, moi. Je fais peur! Pourquoi? Je veux pas que ton amour devienne plus que maternel. Le complexe d'Oedipe? Chérie, moi, la maternelle avec Elvis, Jésus, Napoléon, c'était le bon temps, ça. Hein? Je veux préparer ton thé. Non, non. Ce sera pas moi, en tout cas. Bon, OK. Annie, vas-y, va préparer mon thé. Ben, je suis pas ta servante, là. J'ai déjà été servante de messe en 2034. François, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Mon père, quel âge avez-vous? J'en ai eu des âges dans ma vie. J'ai décidé de quitter Mika. Puis, ben, je suis pas triste une miette, là. J'aime ça grignoter quand je dors. Pourquoi tu me dis ça? T'as goûté à mon thé, hein? Papa, avez-vous déjà été beau? Oui, puis dans ce temps-là, je travaillais dans un zoo. On m'appelait Bozo. Oui, puis c'est de ta faute, hein? Quoi? C'est de votre faute! Avec les cigarettes, c'est que vous êtes plissé! Je veux dire, mais c'est grâce à toi. Comment? Quand j'ai quitté ma femme, elle était déjà morte. Pauvre elle! Mika pense que t'as quelqu'un d'autre dans la tête. Ma femme est morte à cause de ça. Hein? Oui, mais c'est vrai. Ma femme est encore jalouse. C'est toi. Je t'aime. Tu quoi? J'aime ça, la face. Ouais, je trouve ça cruel. Je t'aime, Franzé. J'étais pas certain d'avoir bien entendu. Le bruit de fusil, ça rend sourd, hein? Ben, veux-tu que je me répète? Non, non, ça va. J'ai compris. C'est le thé. J'ai suivi une thérapie et j'ai compris. Ben, m'aimes-tu? Vous étiez plus sourd. J'attends ta réponse. M'aimes-tu? Il y a une balle qui avait brisé une glande dans mon oreille. Laisse-moi réfléchir. Combien de temps? Je vois pas le temps passer. Il est invisible. 30 secondes? J'aimerais ça me remarier avant de crever. Avec qui? Non. Non, j'ai pas besoin de réfléchir. Avec Marilyn Monroe. Pourquoi? Mais elle est morte! Parce que je t'aime aussi. Oublie pas que j'ai bu ton restant de thé. Marilyn est morte! Je vais te préparer ton thé! Non, 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 pitié! Et le souper? Tu peux bien te manger, traître! Quand on est allé à la cuisine, elle ne nous a pas vus. Et toi, t'as bu? Peu ton thé. C'était merveilleux. Elle a même joué! Papa! Oh, monsieur Alfred! OK. L'important, c'est que le souper soit pas au courant. On va le surprendre, mon amour? Oui. Je sens monter l'émotion. J'ai déjà joué au baseball avec Fidel Castro. Assez, là. On touche pas à mon ami. C'est fini, Mika. Mais je t'aime plus. C'est certain? T'as bu toute son thé. Elle a même joui. Non, mais toi, t'as même pas fini le mien. OK. Je vais aller t'en préparer du thé. Ça va? Attention au souper! À l'assaut!
maintenant, papa! On est seuls comme des tourtereaux prêts à faire éclore leur passion commune. Je suis tout à toi. T'es sûr? Oui! Sors-moi de mon armure vestimentaire. Délivre-moi de cette prison de tissus qui encombre mon corps. À froid, comme ça? Écoute, c'est juste que c'est la première fois que... Vite, là, avant que l'été refroidisse dans mon estomac, là, que ça se tombe notre flamme. Mais... Non, on peut pas faire ça. Quoi? J'ai juste bu une gorgée de ton thé. Embrasse-moi, puis je vais t'en préparer un dans ma bouche. Oh, pas mal hot. Mais c'est pas hygiénique, tout ça. Et puis, Mika, t'aimes plus que je t'aime? Oui, mais moi, je t'aime plus que Mika même, donc ça compense. Ouais. Il faut raisonner et trouver une solution. Faisons un enfant. Oui. Et si c'était une fille ou un garçon, Mika pourrait l'aimer. Mais les chances sont de 50 sur 100. Que ce soit une fille? Ou un garçon. Par contre, si c'est une fille, les chances sont 50 sur 50 que ce soit un enfant. Moi, ça complique tout. Mika va devoir attendre. Mais peut-être pas. On ne sait pas quel âge aura cet enfant. Oui. C'est difficile à prévoir. Oui. Très difficile à prévoir. Toi, quand t'es née, t'avais quel âge? Oh, je sais pas. Je parlais pas. Fait que j'ai pas osé demander à ma mère. Puis en fait, j'avais pas de mère, là. Je pense que j'ai été pondue. Moi, j'avais 2 ans. C'est Alfred qui me l'a dit. 2 ans? Oh, mais c'est bien trop jeune pour être l'amoureux ou l'amoureuse de Mika, là. À moins qu'il rétrécisse. L'enfant? Non, Mika. Mais je sais pas comment faire. Un enfant? Non, Mika. Ben, faisons-en un et nous verrons. Mika? Non, un enfant. Moi, t'as raison. Allons par là, ça va être plus discret. Ah, j'ai préparé ton thé! J'ai déjà vécu dans une maison hantée. Annie, mon amour, moi aussi j'ai ton thé. Vous aussi? C'est quand même plaisant. On dirait que leur présence est absente. Avez-vous déjà parlé à un fantôme? C'est ce qu'on fait? Je trouve ça louche. C'est vrai qu'ils sont farouches. Je comprends. Regarde comment qu'on est magané. On n'aurait pas dû faire autant de bruit. François nous avait dit de ne pas nous faire remarquer par le souper. Une chance qu'il nous ait pas mangé. Dans mon temps, les soupers étaient moins pesants. Puis, ils étaient mieux élevés. Comment ça? Je t'ai pas bavé. Grand-papa, vous marchez trop. Si tu veux, tu peux me faire mon rôle. On a une grande nouvelle pour vous. Vous avez couché ensemble, c'est ça? Non, on est resté debout. Là. Parfois penchés. Sans accoutrement. Et on a fait un enfant. Ensemble. Oui. You. Ben là, sois patiente, là, on vient juste de le faire. Là. Mais si c'est une fille ou un garçon, t'auras la permission de l'aimer. Si c'est un garçon, je crois pas. Ça va pas fonctionner, là. Je suis allergique au thé masculin. Mon organisme est incapable de le digérer, ça me donne des gaz. Oh! Je déteste les gaz. J'ai déjà chevauché Pégase. C'est sans oublier que je t'aime. Qui? Moi? Non. Annie.
Phew! Hey, je pensais que j'avais mal compris tes sentiments. Tu sais, t'es comme ma sœur, ça aurait été un peu malsain. Si tu bois ce verre de thé amniotique, ton amour pour moi sera pour mon enfant. T'es certaine que l'enfant sera majeur? On n'en a aucune idée. Regardez, je marche! C'est pareil comme quand je faisais partie du régiment de 7 de Bobby Pitt dans Starmania. Ah, on n'est pas à la guerre. Votre petit-fils a 30 ans. Par conséquent, vous êtes grand-père depuis plus de 60 ans? Non, j'ai plus le droit de boire de bière depuis 1734. Ça me rend trop tard. Oh, ça doit être notre enfant. Maman? Mon fils, t'as dit ton premier mot. Non, j'ai parlé au chauffeur de taxi, fallait bien quelqu'un me livre. Comptez pas sur moi pour boire le thé amniotique. Mais t'es pas une fille. Parce que la somme du thé consommé par mes parents n'était pas assez élevée. Tu es donc un être illimité? Je comprends. J'ai eu le même problème à la livraison de mon enfant. C'est de ta faute, Franzeux. Je pense que mon thé a refroidi dans ton estomac. Si tu avais fait cet enfant avec moi, mon amour aurait été suffisant. Il me reste plus qu'une dent. Biologiquement parlant, ça aurait été possible. Non, pas moi, parce que j'ai même pas bu ton thé, Mika. De nos jours, tout est possible. Mon fils n'est pas limité. Il n'y a même pas de doctorat. Ça fait que je peux manger du chocolat. Hein? Donne-lui une chance. T'as même pas été assez bonne pour m'en préparer du thé. Tu bois, puis tu donnes jamais. SPM. La Société des politiciens menteurs. On vit dedans. J'en ai du thé. Je te l'offre. Il contient mon moi profond. T'en ai bu du thé. C'était du super, en plus de ça. Pas du régulier comme le tien. Va-t'en songer à mon éducation. N'oublie pas que je viens de naître. C'est important. Moi aussi, je suis un être vivant, en plus. Au fait, mon fils, quel est ton nom? Butch. James Butch. Comment, Annie? Donne une chance à monter. Je sais pas si tu le mérites. Ben oui, j'en ai des rides. Calme-toi, ma belle Annie. Tu le sais que tu peux pas me résister. Et un instant. Oubliez pas qu'Annie est amoureuse de moi, hein? Et qu'on a fait un enfant. J'en suis conscient. Mais si t'avais été une fille, j'aurais pas été allergique à ton thé. Il n'y en aura pas de problème. Nous aurions réussi à en trouver un quand même. Je suis pas inquiète pour ça. Eh bien, Mika, donne-moi ton thé. Et puis, notre amour. Je me suis déjà enfermé dans un four. Et le tien n'est pas assez sincère. C'est depuis ce temps-là que je bois plus de bière. Tiens, bois. Non! Maman, tu vas être toute mêlée! Mon Dieu, je suis grand-mère! Ouh! Wow! Comme vous êtes magnifique! Et je suis devant deux beautés fatales! La boisson, ça provoque un dérèglement hormonal! Ouh! Bon, ça fait un chaud, hein? Vous trouvez pas? Vous êtes un arrière-grand-père? Non, j'ai dit que je ne prends plus de bière. Annie, tu dois choisir. C'est Franzeux ou c'est moi. Vous pouvez toutes les deux, là, j'ai lié mon corps. Je suis possédée par l'esprit d'Aphrodite. Non, merci. Je veux rien savoir d'un trip à trois, surtout avec
Mika qui a voulu m'étrangler tout à l'heure. On n'a pas le choix. Mika et toi, vous avez partagé ma tasse de thé. Et moi, j'en ai bu une de chacun. Je vous aime les deux. J'ai déjà eu une chatte en chaleur. Annie, je t'aime. Moi aussi, je pense. Alors, Annie? Maman, pas devant un enfant. Je suis un bébé naissant. Oublie pas que je suis pas prêt pour un tel spectacle. Moi non plus, j'approuve pas. C'est vrai que c'est beau un chat, hein? Et moi, c'est Annie que j'aime. Pas Franzeux. Mais je suis prête à tout pour être avec ma douce. Une chance que c'est doux, hein? Ça se frotte tout partout. Si tu bois mon thé, il n'y en aura plus de problème. Non. Tu dois choisir, Annie. Quelle activité cérébrale difficile. Bon, ben dans ce cas, il va falloir qu'on organise un concours. Parce que je peux pas faire de choix, je vous aime toutes les deux. Non, 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 les chats ne pondent pas deux. Très bien, belle Annie. Ma mère sera le juge. Il faut quelqu'un qui soit en dehors de notre amour. Ben c'est ta mère. Elle aura un parti pris. Dans ce cas, pourquoi pas te demander à Alfred? À vos souhaits. Vous êtes allergique aux chats? Pensez-vous qu'il y a les facultés nécessaires pour être le juge d'un tel événement? Seul lui le sait. Bon, OK. D'accord. Allons-y. Coucou tout le monde! C'est qui? Bella! Je suis ta fille, je pense. Ah, ben, mais comment ça? Je ne t'ai pas encore faite. Je sais. Oh, sommes-nous des jumeaux? Non, je suis juste un peu en avance. J'espère que ça ne vous embête pas. Ah, mais dis-moi, qui est ton père? Je ne sais pas encore. Comment ça? Je n'ai pas encore été conçu. Je vais le savoir après le duel. Oh, mais je suis bien ta mère? Je ne sais pas encore. Ma sœur! J'ai pas encore été conçue. J'aime pas les sangsues, moi. Et peut-être ma petite sœur? C'est connant. Bon, on saura plus tard, hein? Après le duel. Oh non! Pas encore grand-mère! Leur monde est assez prospère. J'ai hâte de savoir si je suis vraiment désirée. Peut-être la serons-nous demain. Mais c'est rien, comme dans le temps où on faisait des saignées et qu'on comprenait pas de pain. Bella, sache que tu es magnifique. Mais il y a trop de questions sans réponse. Je suis peut-être ta père. Finiras-tu par naître? Et à ce moment, quel âge auras-tu? Ces questions trouveront-elles une réponse un jour? En fait, les enfants, quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Ah, c'est bien, t'es majeur avant de naître. Ben, ça donne espoir. Moi, j'ai 49 ans. Mais t'es plus vieux que papa et maman? Mmh. Ouais, ben, inquiète-toi pas, là. Il va quand même passer à travers tous les âges. L'année prochaine, il peut aussi bien avoir 5 ans que 60 ans. Mmh. C'est vrai. Moi, j'avais 15 ans l'année dernière. J'en ai eu des âges dans ma vie. Ah, oh, monsieur Alfred, vous répétez. J'ai pas pété. Bon, il faudrait bien penser à ce fameux duel. Ouais. Je veux savoir qui est le père de Bella et l'âme-sœur de ma belle amie. Ou l'âme-frère. Bon, il faudrait définir les règles. Une lutte à mort? Non, perdant doit pouvoir conquérir le cœur de Bella, à moins qu'il y ait un lien de sang. Dans un tel cas, la mort, c'est une possibilité. Ah, ça, c'est le fun. Je fais ça souvent, moi. Mais si nous étions tristes après la mort de quelqu'un? C'est une autre possibilité. Non. Pas de mort pour ma naissance. Je trouve pas ça beau. Très bien. Vous avez compris. Il est défendu de mourir. Si vous avez à le faire, attendez après le duel. Bien compris, Madame Thérèse. Mourir n'est pas une option. Et les règles? Les tiennes?
Ou les miennes? Non, celles du duel. Ça va se passer comme dans le bon vieux temps. Chaque participant va avoir droit à un couvercle de poubelle, un casque de hockey, un balai, des épaulettes, un jack de strap. Ou bien que je sois conçu. Un bâton de dynamite mouillé, un gant de vaisselle et un fusil à dos. Le duel débutera au chant de la vache qui annoncera l'heure de tomber des feuilles mortes. J'ai dit pas de mort! Les deux opposants devront se battre jusqu'à ce que quelqu'un perde la tête. Tout ça sans mourir. Il a défendu de mourir! Alors, préparez-vous, on se retrouve ici, dans un petit bout de temps. Mais papa! Vous avez trouvé votre pigeur d'antan! C'est parce que c'était ma fête, il y a quelques minutes. Alors, j'ai rajeuni. Ma prochaine fête sera dans quelques heures. Quand on a eu autant d'âge que moi, nos fêtes sont plus nombreuses. C'est logique. Viens, ma petite fille. Je dois bien me préparer là, pour pouvoir bien juger ce duel. J'aimerais pas être à votre place. Moi, oui. Tout le monde est prêt? À vos marques? Prêt? Oh oui, prête! Papa, dites-moi pas que c'est votre fête! Une tête? J'en ai juste une. Au moins, c'est compté. Mais les règles peuvent pas changer. Alfred est encore le juge du duel. Il doit donner le signal de départ. J'aime pas les bords. Faut trouver un moyen de lui faire dire partez. Non, le duel, il n'y aura pas lieu. Je ne serai pas conçue. Encore des censures? J'aime pas les censures. Dites-leur de partir. Oui, ils sont sur vous, là, monsieur Alfred. C'est pas beau. Dans mon coco? Il doit donner le signal. Le protocole. Sacré bestiole. Ah, c'est peine perdue. Il a perdu la tête. Il n'en est même pas mort. Ah, moi aussi, je prendrais bien un peu de porc. Faut trouver une autre solution. Peut-être qu'on pourrait préparer un peu de thé. Et qui le boira? Toi, moi, ou quelqu'un d'autre. Peu importe. Et tu penses que ça va régler le problème? Non, mais ça pourrait être amusant. Avec un peu de vin blanc, je vais bien. Papa, dites... Partez! Santé? Mais j'ai même pas encore eu mon vin. Vous voulez faire un party? Non! Alfred a dit, à vos marques, prêt? À ce moment, il a vieilli sans dire le mot magique. Par conséquent, selon le protocole du duel, nous devons attendre qu'ils disent party avant que le duel ne puisse débuter. Je suis prête à faire un party. Et là, tu viens de naître. Tu penses pas que c'était un petit peu trop tôt? Je sais pas. Il est quelle heure? J'espère que tu seras pas ma sœur complète. Une demi suffira. Tu veux me trancher? Tu sauras que je suis pas un morceau de viande? Je ne mérite pas d'amende. J'ai pas buté depuis 1321, alors que je collationnais avec la sacbine puis Jeanne d'Arc dans la pyramide du roi de la patate en Australie du Nord occidentale. Mais si on y en donnait du thé? Ça serait intéressant de voir quel effet ça ferait. Nous pourrons peut-être nous en servir pour lui faire dire le mot magique. Des armes, ouvre-toi. Non, le mot qui ferait débuter le duel. Partez. Oui, on doit entendre le signal. Et si je n'essaie jamais? Le duel pourrait ne pas avoir lieu et je serais fils unique. Mais il faut qu'on essaye quelque chose. Vous voulez prendre une pause, déjà? On peut essayer le thé. On n'a rien à perdre. Je dirais qu'on a tout à perdre si on n'essaye rien. Oui, du thé pour l'amour d'Annie. Yeah. Bella, veux-tu aller chercher le thé? Je vais même le préparer. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bon, tu as raison. Bella n'est pas née.
Son thé n'aura pas le même effet. Sans oublier que c'est pas une lumière. C'est normal. Elle est encore au stade fœtus. Vous parlez latin? C'est ça qui m'inquiète. Même certaines personnes ne dépassent jamais le stade de fœtus d'un point de vue intellectuel. Tu n'as pas tort. Voici le thé. Tenez, papa. C'est pour vous. Je ne boirai pas de thé. Plus jamais. Parfois, il porte malheur. Je n'en veux pas. Ça va, vous ferez du bien, là. J'ai dit non. Partez! Oh, je sens savoir qui je dois aimer. Je ne veux pas de thé. Oh! À d'autres occasions de préparer du thé. Tu dois être patiente. Tu es déjà majeure, mais attends au moins de naître avant de tenter de naviguer dans le flot tumultueux de l'amour infini. Vous êtes profonde, grand-maman. Je le sais, les duels me font toujours cet effet. Moi, c'est mon premier. Moi aussi. La chasse aux perdrix? Pour l'amour d'Annie! En garde, cruelle fabricante de thé! Mécréant! Traître! Tu n'as même pas bu tout son thé! Tu n'es qu'une lâche! Toi, tu n'es qu'un novice dans l'art de l'amour et du thé! Tu me l'as dit tantôt! Tu ne penses qu'à toi! Tu es plus narcissique et égocentrique qu'un milliardaire qui se mouche avec du papier plaqué or pendant que les gens meurent de faim autour de lui. Il semble avoir du plaisir, hein? Mais leurs paroles dépassent leurs pensées! Oui, il faut se cacher! Monsieur Alfred, nous sommes ni à la chasse, ni à la guerre. Eux au moins, ils sont aimés. Nous aussi, on t'aime! Même si on ne sait pas encore qui seront tes parents! J'ai peur de ne pas en avoir! Non, pas d'en avoir! Chacun ses préoccupations. J'en vois deux belles grosses perdrix de 200 livres! C'est Mika et François qui font le duel. Tout ça pour mon cœur et mon thé. Ça, je le sais. Et quoi? Es-tu jalouse? Un autre duel, peut-être? Pourquoi pas? Mais voyons, je suis peut-être ta mère, là. Je vois pas une raison de t'affronter en duel, là. J'ai été assez profonde pour aujourd'hui, là. Oui. Oui. C'est ce que je veux. Cette petite, elle aurait besoin d'éducation prénatale. Ouais, elle agit vraiment comme un fœtus gâté. Oui. Qu'est-ce que t'attends, Annie? Tu parles de moi? Non. Donne-moi seulement une bonne raison là, de t'affronter en duel, puis... le ferai. Oui! Je pense que t'es pas ma mère. T'es juste une étrangère. Je t'aime pas. Mon Dieu! Ça, c'est méchant! Parfois, y a rien à comprendre dans l'amour. C'est une composante de la vie plutôt absurde. Grand-maman, va recommencer à être profonde. Un autre duel? Oui, Bella m'a suffisamment provoqué. Mais quel est l'enjeu du duel? Si je gagne, Annie devra renoncer à l'amour de Mika et de Franzeux. Elle se fera nonne. Mais si je gagne, tu devras renoncer à ta naissance. Tu connaîtras jamais l'amour. Tu te feras bonne. Très bien. Parfait.
temps, là, qui va juger le duel? Pourquoi pas Alfred? Mais non, mais t'as vu ce que ça a fait tout à l'heure? Cui, cui! Papa? Êtes-vous correct? Mais oui, tout va bien, ma petite fille. Voulez-vous être le juge du duel entre Annie et moi? Sans problème, je continue aussi à surveiller l'autre duel. Garde! T'auras jamais l'amour de mon Annie! Annie, c'est mon premier amour. Je le garderai toujours. Annie, c'est mon phare. Sans elle, je suis perdue. Et les règlements de ce second duel? Les participantes devront aller mettre leurs costumes respectifs, composés d'un tablier, de lunettes de plongée, de gants à deux vaisselles, des bottes d'eau, une tapette à mouche, d'une réglisse et d'un pince-nez. J'ai hâte de voir ça. Allez vous préparer et revenez vite avant que je ne vieillisse à nouveau. Ah! Les enfants! Toi au moins, mon petit Butch, t'es raisonnable. Tu évites les duels, hein? Même si je le voulais, avec qui voulez que je me batte? Avec vous? Je t'insiste. Papa! Ben non, c'est une joke. T'inquiète pas, grand-maman. De toute façon, j'aime pas la violence. Attaque! Attaque! Qu'est-ce que t'attends? T'as peur? Non! Tu dois payer! D'accord. On passe à l'autre étape. J'espère qu'on n'a pas déclenché une autre guerre mondiale. Ce serait la troisième ce mois-ci. Continuez! Personne n'a perdu la tête! Cette guerre a commencé. C'est ta faute, sale voleur! Mon cœur est lié à celui d'Annie. Tu n'y peux rien. Notre histoire perdura. Toi, tu n'es plus rien! La vie n'est qu'un perpétuel cheminement vers l'inévitable. Nous devons tous terminer notre ultime duel pour un jour perdre la tête, pour toujours. C'est cette interminable guerre de la vie se termine toujours par la mort. Vous êtes de plus en plus profonde, grand-maman. C'est normal, il y a deux duels. Tu ne changeras jamais. Monsieur Alfred, puis-je vous poser une question? Profitez-en pendant que j'ai tous mes esprits. Tout à l'heure, lorsque vous étiez vieux, vous semblez avoir peur en voyant le thé. Ah, c'est possible. Mais pourquoi? Le thé, c'est la semence de l'amour et l'amour, c'est magnifique. T'as encore des choses à apprendre, mon petit Butch. C'est normal. Je viens de naître. Mais c'est une longue histoire. Ça aussi, c'est normal, vu le nombre d'années que M. Alfred a vécu. Bon, OK. Voici mon histoire. Il y a longtemps, très, très longtemps, bien avant ma naissance, j'ai connu une femme du nom de Marilyn. Elle était belle, intelligente, le teint rayé, et elle avait toujours une petite souris verte dans son sac à main, de toute beauté. Quel spectacle! Quand elle entrait dans une pièce avec ses sabots de marbre rose, sa robe de foin et son petit chapeau en poil de crocodile. Elle était très chic. Dans ce temps-là, je travaillais à la ferme de ses parents en attendant ma naissance. Ils élevaient des wawarons dans un petit étang de sable doré comme le mauve d'un feu de camp là, lorsqu'il pleut des pétales de pluie verglaçante. Un jour, quand la lune était tellement chaude que mon organe buccal avait épuisé toutes ses particules liquides, Marilyn est arrivée. Elle apportait une tasse de thé avec elle. J'avais tellement soif que je me suis pas posé de questions. Hein. J'ai tout bu. Malheur à moi. Je suis tombé amoureux de cette délicieuse créature pour le meilleur et pour le pire aussi. À cette époque-là, elle avait 200 ans. Puis moi, j'en avais juste 250. Et j'avais peu d'expérience de vie puisque j'étais pas encore né. Mais c'est quoi l'effet du thé sur quelqu'un qui est pas encore né? L'effet est dévastateur. Hein?
l'amour est ressenti à un niveau encore plus fort avec ses hauts, mais aussi ses bas. De plus, cet amour-là est éternel. Il y a juste un filtre de thé anti-amour qui est fabriqué à partir du lait maternel qui peut effacer ce cruel sortilège. Mais dans mon cas, comme ma mère est morte bien avant ma naissance, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Nous nous sommes mariés, je suis allé habiter chez elle, mais c'était une femme athée. Elle en préparait constamment. Elle avait même ouvert un restaurant, la théière à Marie. Par conséquent, ben, tous les hommes étaient fous d'elle, hein? Et elle n'a jamais bu mon thé à moi. Je crois qu'il est un petit peu fade. Elle m'a donc quitté après seulement 3 jours. Elle a fait le tour du monde, puis moi, ben, je suis resté à Saint-Rintintin. Mais je l'aimais tellement et je tenais à avoir des enfants d'elle. Nous en avons donc fait un par correspondance. C'est à ce moment que je suis née? Oui, on t'a conçu par téléphone. Puis le jour de Noël, je t'ai trouvé sous le sapin, dans un bel emballage cadeau. T'es le seul élément positif de ma relation avec Marie-Belle. Après elle, j'ai plus jamais été capable de boire une seule goutte de thé. Dans chaque tasse, je vois son visage. Et je pourrai jamais l'oublier. Mais pourquoi pas essayer de tout simplement la reconquérir? Marilyn est morte exactement 1 an après notre mariage. Lors d'une excursion dans son bain, elle a été attaquée par une barre de savon. Elle ne l'a jamais vu venir. Hein? La barre de savon s'est glissée sous son pied, propulsant ma Marilyn tête première sur le mur de ciment transparent qui ornait la salle de bain. Elle est morte sur le coup. Elle a perdu la tête? Oui, mais elle en est morte. Et c'est depuis ce temps-là que vous avez peur du thé. Oh oui, parce que je ne veux plus vivre une telle aventure. Non, non, non. Ben, peut-être que ça va être différent la prochaine fois. Après tout, vous étiez même pas encore né. Ah, t'as peut-être raison, mais je crains qu'il soit trop tard pour moi. Je suis vieux, mais je sais pas si le thé me fait encore de l'effet. J'aurais peut-être besoin d'un supplément. Peut-être un thé de vie un petit peu plus gras. Au moins, vous avez une famille qui vous aime. Oui, tu as sans doute raison. Monsieur Alfred, je crois que le duel peut commencer. Très bien. À vos marques. Prêtes. Dans le voleur de thé. Tu n'es pas digne de l'amour de la belle Annie. Toi non plus. Plus que toi. Mais je l'aime plus que toi, tu peux l'aimer. Tu n'as même pas. Tu n'as même pas fini tout son thé. À vos marques. Prête. Croisons-nous les doigts. Gardera-t-il sa jeunesse? Partez. Méchant petit garde tout l'amour pour toi. Au moins, moi, cheminée. Oh, ceci chien, c'est un Kuba. C'est pas de ma faute si mon thé est bon pour 2 personnes. C'est pas le moment d'être profonde. Le duel a débuté. C'est vrai? Alors? Je m'excuse, ça sort pas. C'est peut-être un signe. Que le duel ne se terminera jamais. Bitch! It's us! Mais qu'est-ce qui se passe? Maman l'a même pas touché. Mais elle est tombée par terre. Tu n'entreras jamais! Attends un peu, là. J'ai pas donné mon verdict. Alors, vous voyez, là, je l'ai battu. Tu l'as même pas touché. Ah non, mais un knock-out. C'est ça que t'appelles un knock-out? Ben, elle l'était. Bonjour! Comment ça va, Bella? Super! Je viens de naître! Je vous l'avais dit, grand-maman, vous avez eu une prémonition. Le duel! Bonne fête, Alfred! Fausse alerte! C'était seulement une crise cardiaque.
Nous pensions bien vous perdre encore une fois. Qu'allez-vous dire à propos du duel? Ben, il est terminé. C'est un match nul. Ben là, elle est bel et bien tombée, mais elle est née en même temps. Par conséquent, elle peut pas perdre. C'est presque logique. Au moins, elle est heureuse. Au moins, j'ai eu droit à ma victoire morale. Bella est tombée. Et toi, tu n'es pas ma mère. Mes parents sont deux Inuits qui vivent au sud du nord de l'Australie. Papa, est-ce que c'est votre fête ou c'est juste une autre crise cardiaque? Bonne question, mais il bouge vraiment plus. Papa, êtes-vous mort? Il n'y répond pas. C'est bon signe. Ça lui a-tu déjà arrivé de mourir? Pas encore. C'est la première fois. Non, mais une fois n'est pas coutume. Je trouvais qu'il était un peu trop fringant ces dernières minutes. Il a dépensé beaucoup d'énergie. C'est comme si en dépensant toute son énergie, il avait mis sa vie en hypothèque. Moi, est-ce que je vais mourir? Oui. Ben, pas tout de suite. Alors, quand? Ça, on peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est imprévisible. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Bon, c'est assez, là, de toutes ces questions. J'en peux plus. Écoute, Bella, la vie, c'est un cycle. Un jour, nous respirons. Un jour, nous naissons. Un jour, nous mourons. Par contre, dans notre monde, ces règles-là sont un petit peu mélangées. On peut mourir avant de naître, vivre pendant notre mort, accoucher même pendant notre naissance. Mais le plus important, c'est toujours garder la tête sur ses épaules puis d'avoir un petit brin de folie. Butch! Wow! Comment t'as appris tout ça? Ça n'est certainement pas avec ton expérience de vie! Non, je suis tout simplement né intelligent. Pourquoi? Le fameux stade du pourquoi, je l'ai passé bien avant de naître. Pourquoi? J'y pense, Bella. Ça fait un moment déjà que t'es née. Tes parents doivent être inquiets. Tu les as même pas vus. Ils doivent se demander à quoi tu ressembles. T'as raison? Enfin fini les pourquoi. Pourquoi? Grand-maman. Je te taquine, mon grand. Moi aussi, je commence à être tannée de répondre à toutes ces questions. Ah, mais c'est quand même important que les enfants apprennent. Oui, maman. En garde, faux frère! Alors, prends ça! Manqué! Les adultes. Les amours. L'amour! Il y a peut-être un peu trop de thé dans ce monde. Il est vrai que certains en consomment beaucoup trop. L'amour, ce n'est pas un jeu. C'est du sérieux. Ça peut être magnifique. Alors, c'est tellement douloureux. Parlez-vous de vos propres expériences, grand-mère? Tu es un homme très intelligent, mon pote. J'en suis conscient. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça remonte à tellement longtemps. Je ne sais plus trop par où commencer. Commencer par le milieu? Ou par la fin? Très bien. Je commencerai donc par le début. Au commencement, Dieu créa Alfred. Alfred me créa avec sa Marilyn qui est morte. Et j'ai créé François. Avec qui? C'est un mystère pour vous. Mais ça n'en est pas un pour moi. Non! Parce que j'y étais! J'ai même eu du plaisir à la fabriquer! J'ai utilisé de bons matériaux solides! Évidemment, un tel projet ne peut arriver à terme sans l'aide de quelqu'un! Donc, moi-même! Nous parlons de mon père ou vos expériences avec le thé? Les deux! Car François est directement lié à mes amours! C'est vrai qu'il est le fils de son père. Non! Il est le fils de Mika! Dans ce cas, s'il est le fils de Mika et que Mika n'est pas sa mère, qui est Mika?
Son frère! Mais qui est son père? Son père! C'est Marilyn! Mais comment? Lorsque Marilyn a quitté Olfrid, elle est partie en voyage à travers le monde. À cette époque, elle pensait que le thé ne servait qu'à jouer. Moi, j'étais neuve, jeune, naïve, et je ne connaissais pas encore Olfrid. Un soir qu'elle se promenait dans les rues de Londres, je l'ai suivie. Et j'étais éblouie par l'odeur du thé qui naviguait entre ses dents pointues. Elle m'a remarqué, elle m'a conduite à une dégustation de thé. C'était succulent! Mais après, je ne savais plus vers qui je devais me tourner. Mika se tenait là, nous avons fabriqué Franze, sans qu'elle ne le sache. Nous avions prélevé du sperme sur une huître que nous avons inséminée dans Mika. Elle a accouché quelques minutes plus tard pendant son sommeil et elle n'a jamais eu conscience de sa grossesse. C'est vrai qu'elle dort très dur. L'autre jour, il y avait des flammes dans l'appartement, puis on dormait la tête en bas, comme d'habitude. Même si ses cheveux ont pris en feu, elle s'est jamais réveillée. Les pompiers ont dû la sortir. Elle s'est réveillée 2 semaines plus tard dans un bateau de croisière vers le Nunavut. C'est vrai, j'y étais. J'étais le capitaine du bateau et le chef des pompiers. Oh, ça va bien paraître sur ton CV. Puis, j'ai élevé Franze avec Marilyn jusqu'à ce qu'elle ne perde la vie dans un accident de peignoir. C'est pour cette raison que je dis qu'elle est son père. Mais Olfrid ne l'a jamais su. Mais pourquoi dites-vous que Mika est le frère de Franze? J'ai dit frère dans le sens meilleur ami. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, ces deux-là. Ils sont comme frères et sœurs. Pour le moment, je dirais plus comme chien et chat. Oh, Wolfried. Il n'a jamais su que c'était sa fille qui lui a volé sa Marilyn. Un instant! Elle était déjà partie! Techniquement, vous avez raison. J'ai au moins appris une chose de cette première expérience avec le thé. Laquelle? C'est la signification profonde de l'expression très connue, l'amour avec un grand T. L'amour, c'est la croisée des chemins. Chaque être vivant suit le chemin de sa vie. De temps en temps, il croise d'autres êtres vivants. Et dans certains cas, les chemins se croisent et s'unissent. Les destins des deux êtres vivants sont ainsi jumelés et la route de leur vie commune forme un T. Certains T sont plus droits, plus magnifiques que d'autres. Il y en a qui sont croches. Tortueux, mais qui résiste à la vie. Certains thés ne sont jamais terminés, mais à la fin, aucun thé n'est pareil. Wow! C'est profond. C'est normal. Mika et Franceux continuent leur duel. Tu t'attraperas pas! C'est toi qui le dis! Stop! Stop! Grand-maman a quelque chose à vous dire. Grand-maman? Tu parles de ma mère? Oui, de Thérèse. Alors, quoi? Franze, Marilyn est ton père. Et en quoi ça me concerne? Je dois t'avouer que toi aussi. Quoi? Je suis le père de Marilyn? Non! C'est la mère de Franze. Quoi? Uniquement d'un point de vue génétique. Et toi, tu es... Ta vraie mère! Celle qui t'a élevée! Et c'est moi qui ai fécondé Mika avec l'ADN d'huître. Ce serait donc plus juste que je t'appelle papa? Tant qu'on est jeune, on fait toutes sortes d'expériences. Et
Tu ne m'as jamais dit que j'avais porté un enfant? Oui! Quand? Il y a 20 secondes. Papa! Mon fils? Et le duel? Non, j'aime pas la bataille! Séparez-vous! Nous nous battons plus. Je viens d'apprendre que Franceux est mon fils. Pourquoi tu refuses de voir une bataille? C'est pourtant toi qui as voulu en déclencher une tantôt. Mais qu'a-t-il, ma petite Bella? Je ne veux jamais connaître mes parents. Quoi? Ils sont morts. Moi aussi, mes parents sont morts. Moi, j'en ai jamais eu. Moi non plus. Ça veut dire que t'es ma sœur? Mais toi aussi. On est peut-être même jumelles. Franceux, t'étais destinée. Je crois qu'en ce moment, c'est supposé être rempli d'émotions. Alors pleurons et nous continuerons notre conversation après. Bonne idée. Mon petit Butch, il a vraiment une tête sur les épaules. Un, deux, trois, pleurons. Oh, ça fait du bien de sortir le méchant. Et tu as ta dose d'émotions fortes. C'est pas à tous les jours qu'on apprend qu'on a un fils et une sœur. J'aurais jamais pensé que j'étais ton fils. Surtout que demain, tu seras plus vieux que moi. C'est vrai. Ça va être ma fête. Viens, Franceux. Où ça? Boire du thé. Maintenant qu'on sait que... Qu'on peut s'aimer, hein? Qu'on était destinés l'un à l'autre. N'oubliez pas que l'amour n'a rien de rationnel. Ouais. On a pu le constater tout à l'heure avec nos stupides duels. Pas être stupide d'un duel parce que c'est pas vivant. C'est juste une façon de parler. Je le sais. J'ai bien vu qu'il parlait. Alors, tu viens? Oui, j'arrive. Ce sera pas long, le temps d'un coup de foudre, puis on revient. J'espère qu'ils seront heureux. Mon fils et ma sœur de non-sang. Mon père et ma mère. Toutes ces réponses sont bonnes. Bella! Changera... Jamais. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi le quoi? Mais quel quoi? Le quoi que vous avez dit? Ah, pourquoi tu changes pas? Pourquoi? Tu parles de ce pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi t'en parles? Non, pourquoi vous en parlez? Parce que tu es unique. Mais c'est bien. Ça dépend. Ça dépend de quoi? De notre humeur. Pourquoi? Parce que tu poses beaucoup trop de questions. C'est mal? Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les questions vont t'aider à mieux comprendre la vie. Et la mort? Parfois. Ça fait combien de temps que tes parents sont morts? Ça fait 150 ans. Ils ont été mangés par une poule à dents de sabre. Marilyn! Marilyn! Papa? Elle est partie. Bon retour parmi nous. Où est Marilyn? Elle est morte. Voilà! Et comment? Vous avez volé le cœur de Marilyn. Comment le savez-vous? C'est elle qui me l'a dit pendant que j'étais mort. Mais dans ce temps-là, vous connaissez pas encore? Moi, je suis au courant de rien. Dans mon cas, l'amour avec un grand T a une toute autre signification. Le T symbolise la torture ou la toilette. Je me suis fait avoir de façon très cruelle. T'es comme traîtrise, tromperie. T'es comme Thérèse? Peut-être que le véritable amour n'existe pas. Franceux, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, Annie. Avoir mes parents, ça paraît pas.
Mais c'est parce qu'ils viennent juste de consommer le thé de leur amour. Mais il ne faut jamais prendre l'amour à la légère, hein, parce que ça peut faire mal. Ça, c'est vrai. Il y a même un grand poète qui a dit un jour que l'amour est violent. Oui, mais à cause de toute cette violence sentimentale, depuis le départ de Marilyn, je me sens seul. Et moi donc? François est mon fils. Annie est ma sœur, puisque tous les deux, nous n'avons qu'un parent. Par conséquent, je suis condamnée à errer dans ma solitude. En amour, il y a toujours des gagnants et des perdants. J'ai perdu. Non, mais là, wow. Faut pas oublier qu'on est juste 7 personnages dans cette pièce. C'est assez difficile de former des couples là, dans les circonstances. Ouais, surtout avec les liens un peu étranges qui nous unissent. C'est pas grave. C'est la vie, notre vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bella? Je viens de comprendre quelque chose par rapport à la vie. Je sais bien là, que j'ai pas été une lumière depuis mon arrivée, mais j'existe, puis c'est ça qui compte. Peu importe comment on est, quels sont les liens qui nous unissent avec notre entourage, l'important, c'est de s'entourer de gens qu'on aime. Je vous aime. Je suis orpheline, mes parents sont morts, et certains d'entre vous sont orphelins de cœur, puisque leur cœur est seul, sans amour, sans thé. Mais chaque cœur a le droit de battre. Le cœur de nos amis peut combler un vide, mais nous avons le droit d'espérer plus. Il ne faut jamais désespérer. L'amour peut arriver à n'importe quel moment. Même si on vit santé, l'important, c'est d'être en santé. Nous ne sommes que 7 présentement, mais derrière cette porte se cachent des millions d'individus. Certains sont déjà rassasiés, d'autres sauront apprécier votre thé. Il faut savoir partager notre folie, être différent des autres. Il faut juste ressembler à soi-même. Il faut trouver un sens à la vie. Le mien, c'est ma nouvelle famille. Je suis encore à l'aube de ma vie. Il n'y a que quelques heures que je suis née. J'ai évolué et je sais qu'un jour, ce sera mon tour. Je trouverai l'amour dans un nectar rafraîchissant, celui de mon premier amant. L'amour est spécial. C'est une émotion qui apparaît, qui disparaît comme un fantôme. C'est une émotion hantée. We'll be right back.